là, on a eu un changement de coach. Donc les choses ne sont pas faciles. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer le match. Le mardi jusqu'à aujourd'hui pour préparer le match, et le mardi on ne s'est même pas entraîné. Donc c'est pas facile quoi, de préparer un match comme ça avec une équipe qui court, qui joue partout, qui est vraiment agressive. Donc c'est pas facile. On a assez... Et en plus il y a la fatigue aussi, on ne s'est pas beaucoup entraîné. Donc voilà, courir avec une équipe qui court, après à la fin on avait plus du jus. Quoi. Non, ça ne nous a pas vraiment perturbé. On est des joueurs, on est préparé à tout ça. Donc voilà, c'est juste qu'on n'a pas eu vraiment de temps pour préparer ce match. Et voilà, mais on a fait avec ce que le coach nous a donné. Et ils ont eu beaucoup de réussites aussi à 3 points. Ils ont eu des fautes sur des shoots à 3 points. Donc c'est ça qui nous a coûté beaucoup de points aussi. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire. Aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment de problème sur la défense parce que si tu vois le nombre de points marqués, par rapport aux autres matchs, ils n'ont pas beaucoup marqué aujourd'hui, puisqu'ils ont beaucoup mis, ils ont mis beaucoup de lancers aussi. Donc, c'est sûr que par rapport aux 57 points en première mi-temps en route. Ouais, c'est pas la même chose. Donc on a bien défendu, on a réussi à les ralentir sur leur contre-attaque. C'est une équipe qui joue vite, tout ça. Après, ils ont mis des shoots à 3 points. Et, quand c'est comme ça, c'est dur à défendre. Quoi. Ça fait du bien après un long moment que j'ai pas mis pied sur le parquet, et aujourd'hui quand il m'a donné ma chance et puis j'ai essayé de lui rendre pareil quoi. Bon, je suis satisfait, je peux pas dire ça parce qu'il y a une défaite là, donc quand il y a une défaite on n'est pas satisfait quoi. S'il y avait une victoire qui suit avec, ça pourrait être mieux. Oui, on a le temps, on a 15 jours, on va essayer de préparer, faire ce que le coach nous demande de faire et de mettre ça en place et de suivre. Tout suivre quoi, puis on verra ce qui va arriver après. Okay. Ouais. Bon, je peux dire que c'est pas compliqué parce qu'on a les joueurs pour. On a les joueurs pour défendre notre tout terrain, mettre la pression. Je suis là, je peux le faire. Marco, c'est son point fort. Et Darnay peut le faire aussi. Donc je peux dire que c'est pas compliqué, mais quand on change directement comme ça, il faut du temps. Donc, c'est pour ça, les 15 jours là, ça va nous faire du bien de tout préparer ça.